Salut, 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 salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre serviteur Irito. C'est le nouveau nom de la chaîne. Hein. Voilà, c'est le nouveau nom de la chaîne. Apparemment, il y a beaucoup qui ont apprécié le nouveau nom. Ah, et je m'en réjouis. Et ne vous inquiétez pas, les fidèles abonnés de Sharks TV, peut-être je vais ajouter Sharks TV dessus. Je n'ai pas que vous oubliez ce nom-là qui vous a apporté beaucoup de bien depuis sa création. Le 17 novembre, le 14 novembre 2017. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à cela. Mais pour l'instant c'est Ritor. Donc adoptez-moi avec ce nom. Voilà, c'est Monsieur Ritor désormais. Voilà. Bon, je fais cette vidéo rapidement pour réagir sur la question de quoi Didier Arafat sera ou est supprimé de toutes les radios de Côte d'Ivoire. Moi je dis toujours sur les réseaux sociaux, avant d'affirmer quelque chose, faut vraiment bien se former parce que ça remplit en fait. Dieu merci, vous a fait grâce, vous avez de l'audience, vous avez beaucoup d'abonnés. Mais avant de certifier ou d'affirmer quelque chose, renseignez-vous bien. Avant de poursuivre mon allocution, j'aimerais déjà souligner que Didier Arafat n'a jamais été censuré de la RTI. Ça n'a jamais existé parce que par moment on passait ses clips. Même si ce n'est pas tout le temps, parce qu'il n'est pas le seul artiste de la Côte d'Ivoire, on passait souvent ses clips. Non, ça ne sert à rien de vouloir mettre en conflit un artiste et une maison de télé, s'il vous plaît. Je vous explique. En fait, Didier Arafat, son problème avec la RTI, c'est quoi? Didier Arafat a des griefs, a des petits bobos avec certains animateurs de certaines émissions de la RTI. Voilà. Qui refusent ou qui refusaient de le faire passer à leur émission. Voilà, c'est ça le vrai problème. Sinon, Didier Raph n'a jamais été censuré de la RTI. Là, je peux vous l'affirmer et vous pouvez demander à ceux qui suivent vraiment la RTI, ils vous le confirmeront. Le problème avec la RTI, c'est que la RTI n'est plus regardée comme avant, en fait. Comme il y a tellement beaucoup de télé maintenant qui font la promotion des artistes, la RTI n'est vraiment pas trop regardée, si ce n'est que le journal et certaines émissions comme C'est Midi et autres. Voilà, voilà pourquoi vous pensez que Didier Arafat a été censuré de la RTI. Il n'a jamais été censuré de la RTI. Parce que la semaine dernière, à l'émission Midi Première, je crois, ils ont. Non, pas Midi Première, c'était sur la 2. Ils ont passé le clip Je veux réaliser de Didier Arafat. Donc évitez ça. Évitez ça. Évitez ça. Maintenant, pour la question de savoir si Didier Arafat sera ou est supprimé de toutes les radios, moi je ne vais pas répondre par oui. Parce que, avant de prendre cette décision-là, quelle que soit la faute, ou bien quelle que soit la présumée faute de truc de l'artiste, il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas défendu, il n'a rien dit. Voilà, c'est vrai qu'on dise qui se tait qu'on soit, mais ce n'est pas dans ce cas-là. Ce serait faire vraiment une grosse bêtise. Voilà. Il a déjà eu beaucoup de bobos avec beaucoup d'hommes des médias ici. Cela n'a jamais entaché son statut de leader d'un mouvement de musique ivoirienne. Voilà. Donc je peux vous rassurer que Didier Arafat ne sera pas censuré de ces radios-là. Voilà. Parce que ces animateurs, ces directeurs de radio-là ne sont pas aussi idiots que ça de croire les propos ou on va dire les avis d'une seule partie pour prendre ce genre de décision-là. Donc je peux vous rassurer la Chine que Didier Arafat ne sera pas censuré. Je peux vous le rassurer. Voilà, vous savez le nombre de radios qu'il y a en Côte d'Ivoire ici. Dites que certaines radios vont vouloir faire une mesquinerie envers la personne Didier Arafat en voulant pas faire passer ses sons, mais ça sera pas toutes les radios. Voilà, donc soyez tranquille. Ça sera vraiment pas toutes les radios. Didier Arafat ne peut pas être censuré de toutes les radios, voilà, pour une histoire personnelle, voilà, et puis il s'est même pas prononcé. Didier Arafat ne sera pas censuré des radios. Si vous voulez, après cette vidéo, commencez à écouter les chaînes comme Vibe Radio, Truss, on va dire quoi, Truss FM, Jam FM, toutes les radios, vous allez voir que ils vont passer au moins une des chansons de Didier Arafat cette journée-là. Voilà, ne créez pas les histoires où il n'y en a pas. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec son Vangoro Kanté. Le plaignant a posé sa plainte, l'a fait sur son cou. Cela ne va pas se répercuter dans les affaires professionnelles. Ça n'a rien à voir. Voilà. Les animateurs peuvent être
mécontents, mais il faut qu'ils essayent d'entendre aussi la version de Didier Arafat, quel que soit le problème. Donc soyez tranquille, la Chine, Didier Arafat ne sera jamais, jamais, jamais censuré d'une quelconque télé ou d'une quelconque radio. Voilà, c'était mon message du jour. Partagez-la si vous a plu. Et une nouvelle vidéo aujourd'hui à 18h sur le cas des Bordeaux, Arafat et Mollah. Sur le cas des Bordeaux, Arafat et Mollah, je me prononce dessus. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée à vous.